Honeymoon. Hey, salut les gens, salut tout le monde, c'est Loctatou, comment allez-vous? Écoutez, moi je suis super bien. Aujourd'hui on va se retrouver concernant une vidéo quand même assez spéciale sur Call of Duty Black Ops 4. Avant d'attaquer le sujet de la vidéo, abonne-toi si tu es nouveau, active les notifications pour rater aucune des prochaines vidéos, bientôt les 100 000 tryhards, tu connais le refrain, et surtout n'hésite pas à lâcher un gros pouce bleu, parce qu'aujourd'hui on va se retrouver pour une nucléaire contre un maître prestige sur Call of Duty Black Ops 4. Et avant de vous laisser avec le gameplay, j'avais quelques petites choses à vous dire, donc qui sont quand même assez importantes. Tu connais l'objectif, les 1000 likes, ça prend 2 secondes, c'est gratuit, ça aide énormément le youtubeur, vous développez la vidéo, la chaîne et tout ce qu'il faut, montrer que vous êtes des fidèles et que vous êtes des vrais tryhards. Enfin bref, aujourd'hui on va se retrouver concernant un truc que je n'arrête pas de recevoir dans l'espace des commentaires, quand j'arrête pas de faire mes best class setup, quand je n'arrête pas de faire ci, quand je n'arrête pas de sortir des gameplays nucléaires avec les fameux Locked, tu n'affrontes que des noobs sur Call of Duty Black Ops 4, ce n'est pas possible, je ne tombe absolument pas dans ce genre de lobby, tu tombes toujours dans des god lobby. Alors c'est toujours un commentaire qui me fait personnellement extrêmement rire. Pourquoi cela? Pour la simple et bonne raison que c'est absolument faux. Et que chaque fois je reçois également le commentaire disant « Ouais mais Locked, tu mets toujours des nucléaires contre des balais vols, nanana, ils savent pas jouer, etc. » Lorsque c'est de nouveau totalement faux pour ceux qui me suivent en live, étant donné que j'ai live hier, bah j'ai mis des nucléaires contre des Prestige 8 sur Call of Duty Black Ops 4. Et que ce n'est pas une raison de dire que « Oui, tu mets que des nucléaires contre des balais vols. » Voilà, c'est complètement faux. Voilà, c'est effectivement... Pour réaliser des fois des gros gameplays, par exemple des plus de 62 ratios, des plus de 80, des plus de tout ce que tu veux, effectivement, faut tomber dans des bons accueils pour réaliser ce genre de gros gameplay-là. Mais je n'ai pas réellement besoin de chaque fois tomber face à des bas levels pour réaliser des gros gameplays. Je pense que si tu me connais depuis Call of Duty Black Ops 3, je pense que tu es au courant que je devais avoir très certainement avec Xyrox et Punkin les plus gros gameplays mondiaux sur Call of Duty Black Ops 3. Donc je n'ai pas forcément besoin d'affronter que des bas levels pour réaliser les vidéos ou les objectifs de vidéos que je souhaite vous réaliser. D'ailleurs, également, la mention de boost a été quand même pas mal dit dans l'espace des commentaires lorsque c'est totalement faux, hein, de nouveau là-dessus. C'est juste que j'apprécie Call of Duty Black Ops 4. Je passe mon kiff sur le jeu. Je prends du temps. Je réalise les gameplays parfaits pour que vous puissiez vous rendre compte que les armes sont intéressantes. Parce que si je vous propose un gameplay où c'est « Hey, bonjour tout le monde, comment vous allez ?» Au bout de 10 minutes, vous voyez un 44-12 disant « Ouais, bah l'arme est intéressante. » Je ne juge pas les autres youtubeurs, d'accord? Chacun fait son délire. Moi, c'est les miens et j'aime vous proposer des gameplays de grosse qualité. Voilà, je vais vous laisser avec le live, avec une nucléaire contre un maître prestige abonné qui n'arrêtait pas de me join. J'espère que cette vidéo vous fera plaisir et on se dit bye et à la prochaine. Peace out. D'ailleurs, après, faudra que je joue avec la classe la plus pourrave de tous les temps là. Oh, mais comme par hasard, je passe derrière un jeu. Ça spawn au fond encore là. Je vois ça. Encore un derrière l'arbre. Oh la scar, c'est. Ah, c'est où? Ah, c'est une dinguerie hein. Ah, c'est une dinguerie la scar. Chargeur rapide et poignée, je crois. Moi j'ai. Non, en gros. Enlève la poignée, gros, et mets le viseur, le zoom. Mets le viseur zoom. Hein. C'est, ça bouge encore moins. Ouais, bah prends la classe de coréenne. La classe de coréenne, elle est 100 fois mieux. Non, 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 absolument pas, tu vas voir. Idle, one shot. Justement, avec le viseur, j'ai l'impression que ça vise plus vite. Dans le race aussi, en fait, pendant la bêta, j'aimais pas. Et pendant le race, j'ai pris vite fait le compte. Et du coup, avec la classe. Et là, ah, les mecs se font défoncer, ils rigolent. Un bon accueil, ça. Il y en a encore un au fond. Les mecs se font laver, c'est familial. C'est familial, c'est une activité familiale à ne pas négliger. Passez du bon moment sur Call of Duty en vous faisant spawn kill. Il a failli la mettre. Encore ? Ça commence à faire beaucoup là.
niveau du hors-story. Double tose. Oh, t'es sérieux là, ce que je viens de me prendre? Vas-y, je peux voir. Oh, d'accord, une balle de GKS. D'accord, excuse-moi, bro. Tu peux sortir ton chien. La bohème. On sécurise C. Donc, okay, il casse absolument tous les dégâts, il est chiant. Hein. Tu fais quoi là? C'est vraiment un gros chômeur. Ah, il fait rien, comme l'habitude. Ouais, bah c'est mieux que de faire 30 kills. Bah on fait pas 30 kills, avant on a fait 80. Wow. Oh, c'est pas bon. L'autre m'a rempart. Je l'ai tué, il rigole, t'as raison. Mais oui, tu les tues, ils rigolent les mecs, ils sont... C'est vrai, ils sont fun. Et regarde, regarde qui a rejoint en face. Oh là là, mais le chirage que... Non, non. Ah, non, le Zeno d'avant, on est tombé face à un mec que tu connais pas. Si, je le connais. Ah non. J'ai déjà été. Par contre, expande les crânes. Faudra se mettre en ligne ou je sais pas. Hein. Ah. Vous savez qu'est-ce qui se passe lorsqu'on m'énerve, n'arrête pas de me join et on me pousse à bout? Je pense que c'est le temps de faire le retour de quelque chose. Je laisse prendra, je laisse prendra. Là, il y a plusieurs youtubeurs à skip en face. Ah oui, surtout c'est ses potes. Très vite fuir là parce que il traque un peu là. Mais regarde le maître prestige là, comment il cherche. Regarde, regarde, il me traque tous maintenant, c'est abusé. Attends. Non, non, mais. Gros, gros, il. Non, ils veulent vraiment ma peau, c'est giga abusé. Mais oui, ils font que ça. En plus, je suis en série nucléaire, gros. Ah, gros, c'est un peu mort là. Hein. Ok, ça me traque. C'est où? Ah, l'allemand, il rage. Il est où? Il est one shot. Je suis un brutal. Tire dans le tas et ça fait des...
là il crie vraiment. Oh, elle dégage. Je sais pas, mais je suis en très bonne série. Allez, let's go nucléaire. Contre un maître prestige. Hein. Là. Oh là, ils se sont pris nucléaire. Contre un maître prestige comme ça. Et personne qui disait, hé, hey, mais ça prend que des balles et vol. Ah bah non, la sub et en plus maître prestige. Y'a quoi, y'a quoi, y'a quoi maintenant.